projet, de toute façon, c'est déjà la restauration et puis la sauvegarde du site, parce qu'il serait quand même malheureux qu'un site qui est unique en Aquitaine, qui a été daté du 1er siècle de notre ère, disparaisse. Ce serait impensable. Et ensuite, nous sommes persuadés qu'il a un impact indéniable sur la partie économique, la redynamisation économique du centre urbain. Donc, au-delà de cette conservation qui est vraiment indispensable pour l'histoire, hein, pour Dax, pour tout le monde, il y a aussi cette partie économique. Parce que ce site se trouve quand même donc, en cœur de ville, dans un département et une région qui est très touristique. Donc ce serait dommage de se priver de ce joyau, parce que c'est un joyau. Voilà, et les difficultés de ce site, c'est que sauvegarde dans les années 80, où on est au début, ce que je vous disais, et les mesures de sauvegarde ont été... c'est super, hein, c'est très bien fait. Le problème, c'est que ça date des années 80, et que depuis, on a appris, on n'aurait pas fait les choses comme ça, et puis le bâtiment qui est au-dessus vieillit, et puis on s'est aperçu que ce site, il est pris, en fait, il est pris au piège entre deux phénomènes. On a des humidités qui reviennent du sol, donc ça, il faut le gérer, puisqu'on est en sous-sol. On est sous le niveau de la rue, en cas de remontée des nappes phréatiques, il faut pouvoir gérer. Donc il y a un premier danger qui vient de là, et puis il y a un deuxième danger qui vient du bâtiment lui-même, qui n'est plus forcément très étanche, il y a plein de problèmes de structure qu'il faut remettre en place. Et puis, du coup, ça crée un climat à l'intérieur qui n'est pas propice à la sauvegarde des mortiers antiques. C'est des mortiers qui sont faits avec du sable et de la chaux. Il leur faut des conditions, des bonnes conditions pour être conservés. Et là, ils s'affaiblissent avec ces conditions atmosphériques. Donc le projet, c'est de recréer d'abord un climat propice pour la conservation du site, éviter que l'humidité rentre par le haut et par le bas, mettre en place une ventilation adaptée de manière à ce que les mortiers puissent respirer. Il n'est pas question d'en faire une boîte close, il faut que ça respire. Et donc ça sera le premier temps, et puis on va intervenir après sur les vestiges eux-mêmes. Pour les restaurer, les stabiliser en fait. On va cristalliser le site dans son état. Et puis derrière, on va essayer de faire en sorte que ce lieu soit plus accessible. Donc on va travailler sur l'accessibilité handicapée et la scénographie à l'intérieur.